C'est encore un coup de Ryan. Il attend que nous soyons presque sortis pour nous tendre un piège. On va le trouver, le salopard. On va le trouver, on va lui arracher le cœur. Je suis venu ici bâtir l'impossible. Vous êtes venu voler ce que vous êtes incapable de construire. Tel un barbare en admiration devant les portes de Rome. Même l'air que vous respirez est débité de mon compte. Alors, respirez profondément pour vous souvenir plus tard de son goût. Allez à la bâtisphère des collines onglantes. Elle vous mènera tout droit au démon. Et alors, il sera temps pour lui de payer. Salut tout le monde, c'est Mister Flo, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur BioShock et comme vous avez vu, faut revoir la dernière vidéo pour comprendre ce qui se dit là parce que c'est pas franchement facile de comprendre l'histoire là. Donc j'ai juste avancé histoire d'avoir plus d'espace. À un moment des les plus beaux du jeu, je trouve. C'est vraiment magnifique cet endroit. Par contre, juste, c'est moi où graphiquement on n'est pas au maximum. Ah bah si, on est au maximum. Forcer l'éclairage global, on met avec. Je sais absolument pas ce que ça va donner, mais on verra. Cri. Voilà. Ouais, c'est un peu plus joli. Je sais pas. Non, ça va. En tout cas, un des endroits les plus beaux du jeu. Des gens décapités. Comme ça est bon. Alors, un appareil photo. Donc, en fait, on récupère juste les pellicules. Ah, un nouveau journal, donc je vous le passe juste vite fait. Oh. Qu'est-ce que tu attends, gros Nico? C'est magnifique! Ouais, donc comme je disais, je vais vous passer le journal. On dirait que des pauvres diables se mettent à voir des fantômes. Des fantômes. Ryan dit que c'est un effet secondaire des plasmides. Les souvenirs d'un crétin sont transmis à un autre par la manipulation génétique. Des fuites, des cinglés, une rébellion. Et maintenant, des fantômes. La vie n'est-elle pas formidable, Rapture? Ouais, vraiment. Vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider? Ah, juste que je me... Oh, le mec a disparu quoi. Louche. Il voulait qu'on les aide des chromosomes. Ce qui veut dire que c'est pas tellement un chromosome. Question. Oh. Grenade et des grenades, ça peut toujours être utile. Grenade à fragmentation. Ouais. D'ailleurs, les reflets sont quand même bien foutus. Il y a un mec qui se TP, mais. Ça a l'air bien chelou. Alors, une batterie. Des munitions performantes. C'est celui qui peut faire cramer ça. Je sais pas pourquoi, mais il me semble. Une musique super inquiétante. Il est où? Bon. Chromosome Houdini. Alors. 31$, une solution de chlorophylle. Pourquoi il crie encore? Non, ce sera pas lui. Ce jeune là. Oui, c'est lui. Bizarre. Ah. Petite cache secrète.
Lui c'était juste un crozo pour 2$. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter quoi. Alors je vous passe ce nouveau journal, comme d'hab en fait. Aujourd'hui, l'Arcadie n'était ouverte qu'aux clients payants. Ce type m'engage pour planter une forêt au fond de l'océan et il fait d'une promenade dans les bois un produit de luxe. Ryan m'a dit, un fermier ne doit-il pas être libre de vendre sa nourriture? Un potier n'a-t-il pas le droit de vivre de ses poteries? J'ai essayé de discuter avec lui, mais je sais qui signe mes chèques. La seule chose qui soit pire qu'un hypocrite, c'est un hypocrite au chômage. T'es pas censé l'enflammer là-bas? J'essaie de réfléchir. Ok, ouais, c'était sympa de l'amener sur. Vite, c'est déjà quoi? Oups, j'ai... Désolé, j'ai relancé la. La cassette. Bon, il est mort, je pense. Des deux, il est mis sur le pistolet. Alors, où est-ce? Alors là, il y a un truc qui va me faire chier. Pour 15$, allez, on s'en fout. Je voulais le pirater, mais finalement ça fait un peu chier. Et il nous faut des trucs aussi, c'est pas mal ça. Une seringue vide. C'est pas très utile. Alors là, juste le pirater ça. Enfin, essayer vite fait. Alors, il nous faudrait un truc qui remonte. Comme ça, une qui va par là, par là. Après, il nous faudrait quelque chose qui remonte encore, donc tout droit. Un truc qui tourne vers la droite et un petit truc tout droit. Et voilà. C'est de nouveau opérationnel. Continuons l'aventure. Voilà. Le truc électrique. Oh, des... la chevrotine, yes. Hop, on saute par-dessus. Des pellicules. Des tuyaux. Ça a été bizarrement tué celle-là. Munition de personne de laser liquide, ça va être utile pour la pour une autre arme. Qui sera une d'ailleurs une des armes les plus efficaces contre le boss de fin. Je suis le... Non, t'es personne, t'es mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? La chevrotine. Nous devons maintenir notre standing, même en faisant le champ libre. Et cornifère! Si on vise bien la tête, on arrive direct à les tuer en un coup, mais... C'est pas simple de bien les avoir. Ah, de la chevrotine ionique. Du kérosène, des batteries, des cuillons de caoutchouc et des vis. Si jamais tous ces nouveaux items, en fait, ils vont nous servir à fabriquer d'autres objets. Alors là, je vais suivre un peu la flèche parce que...
nous dit d'aller à la... au métro de Rapture. Comme ça, on a accès au métro. Je me rappelais pas. Les Saturniens, les Saturniens. C'est quoi ce truc? Je vais aller voir par là s'il n'y a pas quelque chose. Non, on n'a pas accès par là. Bon, bah, allons par là. Ils arrivent! Ce lieu nous appartient. Il est à nous! Ok, alors apparemment s'ils se font appeler les Saturniens, les gens bizarres là. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, voilà, ça sert à créer des munitions et des choses spéciales avec ce qu'on ramasse. Donc là on voit qu'on peut créer une fois des munitions performantes pour les mitrailleuses, des outils de piratage automatique ou des munitions antipersonnelles. Ou de la chevrotine ionique, on peut, mais on n'a pas assez de tout, en fait. En fait, là, on voit, enfin, à côté, je peux pas aller voir avec ma souris, mais ici, où il y a des trucs qu'on a besoin et des trucs qu'on a en dessous. Genre là, on a tout ce qu'il faut. Et là, on a absolument pas ce qui... Ah non, c'est inverse. Ce qu'il faut, c'est en bas, et ce qu'on a, c'est en haut. Colle le cœur, je vais juste me faire un outil de piratage, ok. Comme ça, ce sera bon. Fouiller ces petites caisses, y a rien dedans. Là, il y a un accès pour les petites sœurs, mais il n'y a pas de Big Daddy pour les. Oh. Waouh. Truc bien dégueulasse. Ah là, il y a une caisse. Alors là, ça c'est la petite astuce. Si on tire sur le truc, on peut détruire. Et là, on a accès à des batteries. Ah, il y a un truc dessus aussi. Pistolet. Donc, si jamais on peut détruire les petits bidules comme ça. Avec justement le flingue. Je sais pas où ça va me mener ça. En tout cas là-bas ça a l'air d'être un coin louche. Un Big Daddy, qui a une petite sœur d'ailleurs. Alors j'ai de la chevrotine ionique. Peut-être ça va être un tuer et des munitions qui me traînent sur l'occasion. Des grenades à fermentation, je suis en train d'utiliser ça pour le tuer. Faut faire attention aux grenades. Juste regarder ce qu'il y a. Alors, des emplacements pour fortifiants, des améliorations de santé, l'arc électrique 2 qui va être très utile si je le prends. Ok, bah. On va essayer de se le faire. Allez, c'est parti. Reload. Voilà. Oula, tu vas pas me faire chier. Alors, toi, je vais te sauver. Donc, on appuie sur L. D'ailleurs, je sais pas si je leur dis, mais je trouve toujours hyper, hyper bien foutu cette animation. Merci, monsieur. Merci. Normalement elle doit... Ah voilà. Je rigole si elle se prend la mine. Lol. Si elle avait giclé ça aurait été marrant. Alors je pense que je vais prendre l'emplacement pour le plasmide. Parce que c'est la chose la plus... sympa qu'il y a.
Voilà. On va aller visiter, voir ce qu'il y a par là. Enfin, au fond, où on n'a pas été. Ça m'intrigue. LOL. Je l'ai défoncé en 2-2. Il y a des caméras, faut faire gaffe. Par contre là si je descends je vais pas pouvoir remonter plus loin. Je sais pas où ça va me... Allez on va voir, on s'en fout. On est des rocks. Oh y a rien là. Nous faisons tous des choix, mais en définitive, ce sont ces choix que nous font. Oui, c'est bien vrai. Alors, ah, de la chevrotine. Je vais enfin pouvoir utiliser mon arme favorite. Alors, une poubelle. L'azote liquide, toujours utile. Un truc caché. Un truc à pirater. Difficulté hard, donc je vais utiliser un autopiratage. C'est chaud. Avoir des munitions antipersonnelles, des chevrotines ioniques et 53 balles. Ça vole, elle coupe. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, c'est... Ah non, c'est juste un passage bouché. Là, il y a un truc de petite sœur. Elle est morte. Il y a un truc pour créer des machins. Un truc pour créer des bidules et des trucs machins et des bidules. Oui, nous l'avons pas. Oh. Merci de nous avoir fait. Nous avoir. Alors, on peut faire de la chevrotine explosive, des munitions antipersonnelles pour le pistolet. C'est tout. Bah pour l'instant on va rien faire. Ce c'est pas très intéressant. Alléchant. Puis on va suivre un peu la flèche. D'ailleurs que j'aurais pu un peu c'est plus simple. Ouais. Les collines roulantes sont là-bas, tout comme la gare des bathysphères. Ensuite, tout droit jusqu'à Ryan. Il y a longtemps, j'ai acheté une forêt à la surface. Les parasites ont déclaré que c'était le pays de Dieu et que je devais ouvrir un jardin public. Pourquoi? Pour que la vie multitude puisse souiller de son admiration stupide la canopée et se figurer l'espace d'un instant être en paradis? Quand le Congrès a nationalisé ma forêt, je l'ai réduite en cendres. Ce n'est pas Dieu qui a planté les graines d'Arcadie. C'est moi. Ok. Alors ça on va aller. Ouais, allez, j'essaye. Ouais. Ça va être chaud ça. Alors il faut du tube tout droit parce qu'on va essayer de continuer et puis de passer par là. Hop. Il en faut encore un tout droit. Hop. Là on tourne, on va mettre ça au cas où. Ici on doit redescendre, puis aller tout droit, donc avec ça, ça on continue. Après il nous faut remonter avec ça, ça il nous faut aller là et aller tout droit et c'est terminé. Parce que je me souviens qu'après on va en avoir besoin de ce truc. Une erreur, je vous laisse, enfin je vous passe le journal comme d'hab. Dès que nous sommes arrivés ici, Macha s'est mise à crier. Maman, maman, c'est quoi ça? C'est quoi? Je croyais qu'elle avait une sorte de crise et j'ai soudain compris. Les arbres. Les arbres. Elle n'en avait jamais vu. Elle les prenait pour des monstres. Oh, Samy, nous avons peut-être eu tort de venir ici.
Ouais, c'est vrai que putain. Maintenant, nous, tout le monde sait que. Oula, wow. À l'abri. Je suis pas botaniste, mais je crois que Ryan vient de tuer l'Arcadie. Il diffuse une substance nocive dans l'air. Nous sommes au fond de l'océan. Tout notre oxygène vient des arbres. Sans arbres, pas d'oxygène. Laissez-moi réfléchir un instant. La représentante de Ryan à Arcadie est une certaine Langford. Elle est honnête, mais pas à l'abri de quelques magouilles, quoi, on dirait ses fins de mois. Si elle est toujours là, elle voudra sauver ses arbres. Après tout, c'est elle qui a planté cette forêt. Ok, un nouvel objectif trouvé. Alors, il me semblait que c'était... Les arbres, ce n'est c'était pas bien vous, ici. N'est-ce pas? Non. Ryan, je crois connaître un moyen de sauver les arbres. Un vecteur génétique qui... Oh, puisqu'on en parle, pourriez-vous me trouver un spécimen de Rosa Gallica? Cherchez dans la grotte. Je dois poursuivre mes travaux pendant que j'en ai encore le temps. Ok, donc il fallait lui trouver un super spécimen. C'est notre foi. One shot. Je me suis fait comme... Je me suis quand même fait toucher par contre. Vous profanez ce lieu. Ah oui, c'est ça qui, je me rappelais, qui crame. Je vous passe le journal. Ils se vêtissent de feuilles et se font appeler les Saturniens. Ils boivent du sang humain et chantent « Maîtrisez la flamme, maîtrisez la brume !» Ils croient qu'ils sont touchés par la grâce des anciens dieux. Ce n'est qu'une bande de vieux étudiants qui prennent les plasmides pour le nectar des dieux. Ok. Donc en gros, c'est juste des gens bizarres. Vous cherchez querelle au Saturnien? Ouais, mais toi t'étais déjà mort. Voilà. Alors, donc on doit trouver un spécimen de Rosa Gallica. Alors il faut faire toutes les grottes apparemment. Enflamme-toi, je dis. Non mais c'est pas enflamme. Mais pourquoi, quand est-ce que je fouille un truc, ça me change mes munitions? Wow. Voilà. Je vais se prendre quelques dégâts et puis le tuer en un coup. Putain, ça fait chelou ça. C'est que le reflet. Alors, ils ont rien. Oh. Qui tire, ok. Solution chlorotrique et de l'alcool. Alcool! Alors. Il tirait sur quoi? Sur un de ces gars, je pense. Enfin, continuons. Allons chercher cette Rosa Gallica. Ça a vraiment l'air louche. C'est lui le poisson! Non, c'est pas lui, c'est qu'il y a. Écrasez le paradis! Elle est où? Là. Putain, j'arrive. Putain, j'ai pas réussi à la voir, quoi. Anti-sécurité. Alors, les caméras de sécurité et les tourelles mettent plus longtemps à vous repérer. Alors ça, on s'en fout totalement, puisque je suis jamais repéré. Vite. Je vous passe le journal. Il y a eu des pressions considérables pour la régulation du marché des plasmides. Il y a eu des effets secondaires, cécité, paiement, mort. À quoi bon défendre notre idéologie si elle n'est pas mise à l'épreuve? Le marché n'est pas comme un enfant qui pleure au moindre signe de mécontentement. Le marché est patient. Nous devons l'être aussi. Ah,
j'aurais peut-être bien fait de... Chaud. Mission perforante, on va détruire cette caméra. On va reprendre une mission normale. Passer ça. Là-bas, il y en a une autre. Pas creux. Rassembler les gens sur la place Apollon. J'ai demandé à Ryan comment il pouvait faire de telles choses à des innocents. Il m'a répondu... Ils n'ont pas choisi de défendre Rapture, mais ont préféré s'assassiner avec Atlas et ses bandits. Ce ne sont pas des innocents. Il y a les héros, et il y a les criminels. Ok, je vous passe l'autre journal. Il n'a pas mal. Oui, oui, je suis au courant pour le bouclage. Sûr. Une petite minute. Les premiers tests du vecteur Lazare sont très prometteurs. Ils nous tiendront le bon bout. Dépêchez-vous, le bouclage. Comment? Très bien, je m'en vais. Mais il faut que quelqu'un retienne pour examiner ces échantillons. C'est très important. Pour 12 dollars, c'est pas chier. Et je vous repasse encore le dernier. Grégory, ne venez plus pleurnicher au sujet des forces du marché et ne vous attendez pas à ce que je punisse les habitants qui font preuve d'initiative. Si les agissements de Fontaine vous déplaisent, je vous conseille de trouver un moyen de proposer un meilleur produit. Ok. En gros, c'est un peu la rébellion, là. Cadavre. Bon, j'aurais peut-être pas dû boire ça. Péter ah. Des trucs un peu cachés. Ah. On va peut-être remonter puis retourner le plus vite possible voir madame comment elle s'appelait, Landcroft, un truc comme ça. Voir ce qu'elle a à nous donner. D'ailleurs, c'est pas mal de pas avoir déclenché les trucs parce que tout le monde se les a pris. Alors. Roll Hill. Hop, mon truc est toujours actif. Ah, il y a une trousse de soins là. Ça peut toujours être utile. D'ailleurs, je trouve quand même que. Enfin, là pas, mais avant c'était quand même un des. Petite sœur. Il va mourir. Vous allez tous infecter! Putain, quel chien! Attaque le fat, ouais, vas-y. Oh, le bug. Oh non, pourquoi moi? Sérieux, pourquoi il m'a attaqué? Ouais. Ça nous fait 140 ados. Pas si mal. Alors, est-ce qu'il y a encore des petites sœurs dans le niveau? Apparemment pas. Donc on a eu toutes les petites sœurs cette fois. Oh, petite sœur.
puis retournons vite chez Madame Longcroft, ou je sais plus comment elle s'appelle. Vous avez la Rosa Genka? Longford. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Une invitation sur papier glacé? Envoyez-la par le pneumatique! Voilà, envoyez. Oui, c'est parfait. Parfait. Venez à mon bureau. Je vous laisse entrer. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait pour que cette forêt retrouve sa verdeur. Expert en piratage. Une plaque d'alarme de surcharge en moins lors des piratages. Je sais pas ce que ça sert, donc on va mettre stocké. J'en ai aucune idée. Accès laboratoire. Ah. Ces païens cesseront-ils un jour de tout voler? Les serviettes en papier, les encriers, la mamélisse, la solution de chlorophylle, même mes vieux numéros de National Geographic. Ils doivent en tapisser leurs horribles petits sanctuaires. Pauvres malades. Apparemment, ces tourelles sont avec nous, mais que pour l'instant. Ah, désolé. J'ai éternué, mais... violemment. Alors... allons voir madame. Julie, nous avions conclu un marché, tous les deux, n'est-ce pas? L'argent a changé le monde. Permettez-moi de vous lire ce qui est stipulé dans notre accord. Monsieur Ryan. Ryan Industries se réserve les droits exclusifs de création, d'utilisation et d'exploitation du vecteur Lazare. La Monsieur Ryan. Attendez. Sans elle, non. Nous retournerons. Monsieur Ryan. Ryan, de son côté, avance à pas de géant. 9, 4, 5, 7. Voilà, donc c'est la nouvelle arme, le vecteur... enfin, non, pas le vecteur laser, le... je sais pas comment il l'appelle. Qui a dit qu'un vieux capot ne pouvait plus rien apprendre? Je dois être cinglé. J'ai passé 4 ans à trouver un moyen de défolier les arbres dans le Pacifique pour faire peur aux Japonais, et me voilà au fond de l'océan Atlantique en train d'essayer d'inverser le processus. La dent. C'est l'ambroisie, plus la bombe atomique, plus Ève et le serpent. Allons voir ce que ça donne. 9, 4, 5, 7. Alors, la formule du vecteur laser, la clé du marché est 27$. À quoi bon être un génie si les seuls qui apprécient vos travaux sont une bande de crétins génétiquement modifiés? J'ai déchiffré le vecteur. Au moins à 99%. Il ne me manque plus qu'un bouton de Rosa Gallica pour étayer mes analyses. De l'eau distillée, un peu de chlorophylle et des enzymes d'Apis mellifera. Oui, vous m'avez bien entendu, mes chéris, de la bave d'abeille. Ok, donc voyons voir nos super. Alors, trouver cette unité d'eau distillée, cet échantillon de d'enzymes. C'est tout. Ok. Bah allons-y quoi. Oh. C'est une arme hyper puissante le... Oula, ça va péter ça. Ça aussi ça va péter. L'alarme, ça va être chaud ça. Allez.
Pirater pour voir si je peux bien en avoir encore plus parce que... Oula, vite. Non. Mais fuck. Bienvenue à la fin. Utiliser l'autopiratage. Ça c'est bon. Ça j'ai de la belle chevrotine. C'est fait. Normalement si je me souviens bien, si on pirate une machine de soins, elle lui donne un kit de soins. C'est bien si je me souviens. Alors, comment il faut faire? On doit monter, tourner sur la droite, aller là, tourner sur la droite, et on y est. Ah non, bah je m'étais planté. Enfin, c'est pas grave. Alors là, il n'y a rien à récupérer. Rien du tout. Alors... One shot. Juste pas one shot. Bon, par contre, je sais pas trop où je vais trouver tous ces trucs. On va essayer de suivre la flèche parce que je ne sais absolument pas où il faut aller. Puis si je trouve pas, ça va être un peu chiant. Ok, par là. On est déjà venu ici, il me semble. Ah non. On se fait péter sa première. Oh, c'est efficace avec son chapeau. Ouh. Amélioration de l'arme. Alors, ça, je vais. Améliorer les dégâts du fusil parce que ça c'est voilà, c'est maudit paladin. Maintenant ça va être mon arme favorite. Allez, c'est parti. Et ça, tu n'y arrives pas. Ça fait mal. Puis eux, ils aiment pas quand ça fait mal. Ah, un coffre. Autopiratage ou pirate? Allez, pirate. Chaud. Hop, ça c'est chaud. Encore un, on descend. Comme ça. Et là, il faut un truc qui tourne dans ce sens. Et c'est tout. Et qu'est-ce qu'on gagne? 67$, 2 trousses de soins et 20 munitions. C'est pas mal. Et là, il y a un gars qui est apparu ou quoi? Un nouveau couvre-feu sera mis en place dès jeudi. Les citoyens qui le violeront seront transférés vers la place Apollon.
Alors je vous passe le journal, comme d'hab. Comment en arrive-t-on là où j'en suis arrivée? J'examine les gènes à longueur de journée et je ne vois jamais l'empreinte du péché. Je pourrais blâmer les Allemands, mais je n'ai trouvé aucun bourreau dans les camps, rien que des esprits comme le mien. Mais brutalité envers ses enfants ont éveillé quelque chose en moi que la plupart des gens trouvent merveilleux et naturel, mais qui pour moi est une abomination. Mon instinct maternel. Enfin voilà. Chaud. Donc après ce flashback bizarre de nos... de la Terre et de nos cousins d'Angleterre, ça va être la fin de la vidéo. Donc on se retrouve la prochaine fois pour aller vers le marché et puis revenir, je pense, parce que ça sera... Enfin, le marché sera vite fait, mais ça sera deux parties. Enfin bon. En gros, la mission de reconstruire le vecteur laser, bah, ça sera fait en deux fois. Comme ça, sera bon. Puis voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Oubliez pas de mettre un pouce vert si vous avez aimé, un pouce rouge si vous avez pas aimé, si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur Garn, autant que vous mettez une appréciation si vous avez aimé. Laissez-moi des commentaires si pour me poser des questions ou quoi que ce soit, je les lis tous. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour avoir des infos ou me poser des questions avant tout le monde ou pour, en gros, sur Twitter, je réponds limite en temps réel. Et puis, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé, puis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde.